Rodrigue. La plus petite île de l'archipel des Mascareignes est située à 660 km au nord-est de l'île Maurice, avec laquelle elle forme une république. Avec ses 110 km², Rodrigue est la seule île du sud-ouest de l'océan Indien à être entourée d'un riche lagon faisant le double de sa superficie. Les Rodriguais, au confluent d'un riche métissage en créolisation. Le visiteur non avisé serait d'ailleurs choqué de constater l'omniprésence de la culture africaine dans une société loin des tribulations du modernisme, ce qui a freiné son développement, mais lui a offert l'avantage de conserver toute son authenticité. Entre marins bretons, colons bourbons en quête de l'Eldorado et descendants d'esclaves ont développé une culture authentique façonnée par un processus de pourtant christianisé à plus de 95%. S'appelle Rodrigue. Elle est tellement petite qu'on la voit guère sur la carte du monde. Pourtant elle est magnifique, fantastique, avec tous ses paysages paradisiaques. Si vous venez faire un tour, vous verrez que je dis vrai. Ce serait bien dommage si vous perdez une telle chance comme cela. C'est l'île Rodrigue, c'est bien l'île Rodrigue, notre petite île. Rodrigue, ma petite île.
Costé, 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 créole, oui, dans nos vallées. 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 Mauricien rayonnait, si c'est noir obligé, costé ensemble, donne valet à nous la vie. Mauricien rayonnait, si c'est noir obligé, costé ensemble, donne valet à nous la vie. Mauricien rayonnait, si c'est noir obligé, costé ensemble, donne valet à nous la vie. Mauricien rayonnait, si c'est noir obligé, costé ensemble, donne valet à nous la vie. Les petits bouteilles, maman. Les petits bouteilles papa, les petits bouteilles maloua, mais les bébés nous crier, oui, nous la vie créole, mais les bébés nous crier, oui, nous qui tient créole, mais les bébés nous crier, oui, nous la vie créole, mais les bébés nous crier. Au large de la baie du Nord, 1h30 de traversée en bateau avant d'atteindre l'une des plus grandes réserves d'oiseaux. Cet îlot corallien s'étend sur 1,5 km de long pour 300 mètres de large. Classé réserve naturelle depuis les années 80, cette île est un véritable paradis pour 4 espèces d'oiseaux de mer. Malène, maquois, oiseau la vierge et yéyé y vivent en totale liberté. Des oiseaux surveillés et protégés par des organismes spécialisés. Chaque année, plus de 40 000 visiteurs
foule le sol de celle qu'on appelle la Cendrillon des Mascareignes. Et ce chiffre est en constante augmentation, plus 3000 touristes par an ces dernières années, pour 1700 emplois directs créés environ. Les autorités ne comptent pas bien sûr s'arrêter en si bon chemin. La piste de l'aéroport devrait par exemple très bientôt être agrandie pour permettre l'accroissement du trafic. Des vols directs entre Rodrigue et La Réunion devraient également être mis en place. Comment on dit ici à Créole ? C'est mon Créole ici. On ne sait pas si vous faites pareil. Hein. Comme ça. C'est petit mot. Ah, en France, on ne fait pas, mais il y a plein de choses. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le lait, dès que les gens y partent, hop, pareil pour les esprits. C'est-à-dire une goutte alors ? Bah ouais, ils en prennent un petit peu que. Oui, ça. Mais ça. Allez, venez, bon. Oh, il y a deux mondes, ouais. Et qui ? Eh bien, le bonjour tout le monde. Eh bien, moi, c'est Annabelle, donc je suis la guide d'ici. Eh bien, voilà, l'île aux cocos. Peut-être vous vous êtes dit, ben, c'est l'île aux cocos. Moi, j'ai pas vu de cocotier. Eh bien, l'île ne s'appelle pas l'île aux cocos à cause de ses cocotiers, mais plutôt à cause des œufs. Auparavant, il y avait tellement de œufs sur l'île qu'on devait faire attention là où on marche. Et en langage marin, les œufs veut dire coco. C'est pour cela que l'île s'appelle l'île aux cocos. Bien, l'île aux cocos, c'est une réserve naturelle. Ici, Rodrigue, on a quatre réserves. On a réserve de l'île aux cocos, réserve de l'île de sable. L'île de sable, c'est l'île qui est à côté. Et on a réserve de Grand Montagne et réserve de François Léga à Mosquito. Quatre réserves et l'île aux cocos fait 15 hectares. 150 à 200 mètres de large et 1,5 km de long. Et ici, on observe quatre espèces d'oiseaux. La plus belle, la plus élégante et celle que vous voyez là-haut. Hein, regardez sur votre tête. La blanche. La blanche, c'est l'oiseau de la Vierge. L'oiseau de la Vierge, le nom scientifique, c'est Gigis alba et le nom commun, c'est oiseau de la Vierge. Donc, l'oiseau de la Vierge ne fond pas de nid. L'oiseau pond sur une branche. Et puis il a fait clore, le petit grandit sur la branche. Hein, on aura l'occasion de voir le bébé de l'oiseau de la Vierge devant. Et quatre espèces d'oiseaux. Les plantes endémiques qu'on avait sur l'île faisaient des plantations acacia pour avoir des graines, pour vendre ça à des gens pour écraser, pour donner aux animaux. Et en 1955, donc l'État a décidé de prendre en charge l'île aux cocos. Ils ont commencé à mettre des gardiens. Donc la maison qui est là, ça c'est la maison du gardien. Ce sont 9 gardiens. Ce sont la tour de Rhodes. 3 gardiens restent sur l'île pour 48 heures et puis changent. Donc c'est Discovery qui donne l'accès. Et il y a aussi Bois et Forêt qui gère l'île. Et il y a Wildlife qui s'occupe du côté de la flore et de la faune de l'île. Hein, Wildlife a commencé à planter des milliers de plantes endémiques. Les grandes plantes que vous voyez à l'arrière, ça on appelle ça bois mapu. Bois mapu, c'est plante indigène, mais c'est unique sur l'île de coco. On n'en trouve pas partout. Et on a des plantes endémiques telles que bois sirop, bois cabri, bois matelot. Hein, tout ça, c'est de la tanière jaune. Tout ça, c'est endémique de l'île Rodrigue. Et les grandes plantes qu'on a ici, ça on appelle ça mao. Mao. Hein, mao aussi, c'est indigène. African name,
La couette, c'est ma couette. Très, très, très bien. Et une baleine, elle est très vraie. Sinon, les oiseaux sont inoffensifs, mais si vous approcherez trop près du nid ou de leur petit, là, les oiseaux vous foncent dessus. Ils ne vont pas vous faire peur, mais ils ne vont pas vous attaquer, mais juste pour vous faire peur. Vous avez juste à garder vos distances. Et puis donc, regardez là, il y a des nids. Vous allez voir, il y a des nids un peu partout. Mais donc, il ne faut pas déranger les oiseaux, il faut rester dans le petit sentier. Poisson, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est bon le limon là. C'est le super bon. Aigre doux. Ça, c'est super, ouais. C'est vrai, c'est pas très fort. Hein. C'est super, juste comme il faut. C'est bon pour toi. Ouais, ouais. Tiens, le. Il faut se mettre à l'avant. Où tu veux. On sent pas la main. On en a plus qu'en venant, pas possible. Mais le vrai nom français c'est perroquet. Voilà. Mais pour s'organiser, on finit de gratter le poisson et puis on le coupe là, comme vous voyez là, on met un peu sel et puis un petit peu de poivre. Voilà. Je vais vous montrer comment on va passer ça au feu. Et là, on sert pas ni le gaz. Comment on prépare le meunier typique de l'île, mais on fait ça avec le charbon, c'est le bois. On doit mettre une sauce, voilà, vous voyez la sauce. Ça, on dit ça, le mot créole ici, on dit la sauce papa. Ça, préparé pour Dieu pour spécialement. Ça donne une très bonne vapeur.
Et on a l'habitude de servir un petit morceau, même un morceau de carton, même un morceau de comment dire, de tôle, tout ça, pour que le feu, ça prend vite, que ça chauffe. Et puis, voilà, comme tu vois là. On va tirer les centres. Voilà, on le refait encore un petit peu. Voilà. Quand on met le poisson, le feu baisse, ça baisse. Mais voilà, on donne un petit coup de pouce pour que le feu donne plus la vapeur, pour que le poisson puisse dorer. Dorer comme ici là. Donc tu vois, ça donne une autre qualité, une autre couleur. Mais c'est pour ça qu'on doit frire le poisson avec le charbon. C'est typique rodégué et ça donne un autre goût. Hein. Et puis tout à l'heure, je vais préparer une sauce pour mettre sur le poisson, pour s'arranger, le client vient dans l'après-midi. Je suis sûr, tous les clients vont être très satisfaits. Pour aller cuisiner avec la vaisselle sur la table. Le poisson commence à dorer. Voilà. Voilà. Je me présente. Je m'appelle Marilyn. Je suis la femme de Dieu Cool. Je suis en train de bouger les papayes pour faire des salades que les touristes aiment très bien. Et maintenant, voilà. Ça, c'est mon couteau préféré. Voilà, on ne coupe rien avec ça. Simplement les poissons et les ouvriers. Voilà. Voilà. Je vais te montrer. C'est le système qui. Moi, je coupe les ouvriers de ma façon. Et. J'avais pas de chef. C'est moi le chef. J'avais appris de tout petit. En préparant quelque chose comme ça, en préparant les ouvriers, les poissons, même la viande, les poulets, les bœufs, les cabris, les moutons. Mais petit à petit, ça vient. Mais aujourd'hui, je sais faire un petit peu tout. Voilà, je n'avais pas de chef. C'est moi le chef. Et le second, voilà, c'est madame. Voilà. 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 Donc oui, on coupe en diagonale, comme on dit ici à Rodrigue. Hein. J'aime pas mes pieds d'ailleurs. Voilà. Et on peut préparer la sauce. Voilà. Pour la préparation de l'huile, je fais bouillir l'huile. Et puis je le découpe. Voilà, comme je vais te montrer, couper les oignons. Je mets un peu de sel, un petit limon, et puis un petit piment. Et puis ça va. Voilà, comme je t'ai montré. C'est bon. Oui. C'est le menu qui est sûr. C'est typique pour l'idée. La sauce est prête. Maintenant, on commence à mettre les oignons. Voilà, tu vois là. Les oignons sont découpés de la même façon. Ça commence à donner du goût. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais goûter. Je vais goûter l'eau. Voilà. Voilà. Mmh. Ah, la main reste toujours le même. Voilà. C'est le goût de tous les jours.
C'est pour ça que quand j'avais des clients, je prends mon temps pour préparer. Voilà. Que mes clients vont je prends même 2-3 temps pour préparer, pour que quand mes clients viennent, parce que c'est le goût de tous les ouvriers des poissons, tout ce que je prépare, ils savent très bien le goût. C'est pour ça que je prends mon temps. Les clients aussi savent très bien, ils me téléphonent du bonheur, même 2-3 temps pour que je prépare. À chaque fois que je prépare la salade, mon meilleur salade de l'île, salade de riz, j'ai toujours l'habitude de dire à ma femme, viens, mais dis quoi? Voilà, je vais te faire goûter. Top. Je suis sûr que les touristes vont bien apprécier. Bon appétit à vous. Je me présente, je suis la fille de Joe. Quand ma mère et mon père sont en train de préparer, moi je vais me découvrir. C'est pendant les vacances. Ouais. C'est génial. On voit la notre entreprise à qui fait des bonnes choses. Alors, tu te souviens sûrement de. Bonsoir, moi c'est le fils de Joe. Je vais être dans les préparatifs des menus pour les touristes et autres personnes qui viennent dîner ou déjeuner. Et j'admire mon père pour ce qu'il fait et j'espère que je vais être un bon cuisinier comme lui. Oui, ça c'est le salade Kono Kono. Voilà, c'est un coquillage, aphrodisiaque, comme on dit, à Vaudin. Et on prépare ça, on fait faire bouillir, et puis on coupe les œufs locaux. Comme on dit, c'est que le œuf local, nous coupons, et nous préparons en salade comme ça. Mais ça, c'est le meilleur plat. Comme on dit, c'est le viagra réveillé. Voilà. Voilà, voilà les coquillages. C'est le Kono Kono. Ok. Voilà. Voilà. Poisson. Le poisson. Et le salade, là. La santé. Elle vient mieux aussi. Ça, c'est une sauce que je prépare par moi-même. Voilà. Voilà, ça. La sauce papa. C'est la plus belle sauce du monde. Voilà. On met encore la sauce. Voilà. Là, on est prêt, les clients. Et on se met. Moi j'aime bien quand le client arrive, tout est prêt comme ça. Et ça c'est mon client, je le sais bien. Il aime bien quand il arrive ici, tout est prêt comme ça. Tout est chef. Bonjour. 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 Sinon, j'aime bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que c'est pas la première fois que vous venez ici. Un petit mot. C'est chaud, ça fait froid. Tout le monde est pas servi. Non, mais là, tu vas venir.
tu ne peux pas. C'est bon. Et vous, vous avez là. C'est classe. Et vous, tu manges ton salade. Ça, c'est le colonne, je crois. Qui veut du pain là. C'est le premier soin, hein, poisson, hein. Ouais. Non, moi je prends du chaud, je prends le poisson. Ouais. Donne deux mots pour l'un pour ce poisson là. Colo colo. T'as l'envie qui vous fait ça. C'est vrai? Ouais, t'inquiète. Quand t'as un liquide dans la cordée. Chris, quel morceau tu veux? Non, merci. Quel morceau tu veux? Même pas, hein. Ouais, mais ils font du bien, hein. Ils font du très bien. Vraiment que le bus aussi, il est bien. Ouais, c'est pas le King of Rodrigue. Alex sont restés au pays pour tenter de survivre grâce à la pratique des rares métiers traditionnels qui subsistent encore. Parmi eux, les pêcheuses de pieuvres. Ici, on les appelle les piqueuses d'ourite. Port sud-est, 6 heures du matin. Femme courage est déjà debout. Comme à chaque marée propice à la pêche à la pieuvre, elle a rendez-vous avec le batelier qui l'amènera au-delà du chenal où se déroulera son combat pour la conquête du pain, ce petit morceau de mer qui alimente les feux de la vie. Ils sont 1800, pour la plupart des femmes, à assaillir les bancs coralliens à chaque marée. Ici, à Port-Sud-Est, les femmes traversent la Grande Passe et rejoignent des terrains de pêche plus prolifiques. L'humeur est à la détente. Les dernières nouvelles du village sont vite partagées. Vous connaissez une fois l'hivernage. L'hivernage va rouler Batacomo. Trois marées nous pas piquer dans la vie là. Va rouler Djakouma la salétan, l'an n'étant pas beaucoup de poids fait là-bas. Maudit, va rouler salétan, pas piquer 8-3 mois. Maudit, on va aller quand même l'emmener de l'eau 8 ou bout de l'eau. Maintenant, on est en train de faire un petit beau temps de avec c'est dans la vie tout celle-ci. Nous allons, mon gars, 10 paires. 10 paires, alors mon petit gros, mon petit, j'ai 18 ans. Mon gars, où est-ce que vous avez 18 ans, mais 22 ans. 7 mois, 7 mois. Maintenant, ça 10 paires, là, ça dit que vous avez mis le gros GTA. Tout le temps, 6, 7 lits. Dédé ensemble, mon gars, comme ça, mon gars, quand vous avez mis à DP. Mon gars, ça, 8 là, 7 là, 8 là, 7. Alors, il y a 8, 7 là, la bâtiment, il y a 8 prêts. Nous avons fini ma tête, nous avons 8, 7. Maintenant, les autres, c'est 20 lits. Ça dispère au là. Vendez les taux qu'on est qualité au ça qui était ça. Vendez. Bon nao. Mon connaît jamais plus qu'au on dans la même. Trépieuses, les piqueuses confient leur journée de travail au tout puissant. Woohoo!
L'instinct de survie prend tout à coup le dessus. Le groupe, jusqu'ici très uni, se divise. La technique de capture a évolué au fil des générations. La décroissance dans la population des céphalopodes a fait naître de nouvelles méthodes, pas toujours orthodoxes. Jadis seul outil utilisé, en passant par le bambou, le fer de construction s'est aujourd'hui imposé comme l'outil incontournable. Pratique, flexible et maniable, il s'adapte à tous les types d'habitats. Partons ensemble faire plus ample connaissance avec la pieuvre qui peuple nos eaux. Des deux espèces présentes, l'Octopus cyanea est la plus répandue. Mais peu d'études ont été faites sur ces espèces, et les premiers stades de leur développement restent méconnus. La pieuvre chasse pendant la journée, le matin et l'après-midi, ce qui la rend très vulnérable. On la trouve souvent à moitié immergée dans son trou au petit matin. Son manteau musculaire propulse l'eau à travers l'entonnoir, lui permettant ainsi de se déplacer dans un mouvement de propulsion par réaction. Elle peut aussi ramper sur des surfaces solides à l'aide de ses 8 bras et cracher de l'encre afin de distraire un éventuel attaquant. La pieuvre se distingue par sa capacité à se camoufler. Instantanément, elle peut changer non seulement de couleur, mais aussi de texture et adopter celle de son environnement immédiat. Cela fait d'elle un redoutable prédateur. Elle se sert de ses tentacules pour tâter des trous à la recherche d'éventuelles proies et se nourrit essentiellement de poissons, de mollusques et de crustacés. Dépourvue du squelette, elle a l'avantage de pouvoir se faufiler au travers de cavités inaccessibles aux vertébrés. La pieuvre, elle, ne peut procréer qu'une seule fois durant sa courte existence. La femelle meurt environ un mois après avoir pondu entre 600 et 1200 œufs. Elle peut atteindre un poids maximal de 6,5 kg, mais en moyenne, elle pèse 639 grammes. Le poids à maturité est d'environ 300 grammes pour le mâle. Notre planète est un univers bleu.
les océans couvrent plus de 70% de sa surface. Venez avec nous explorer le monde sous-marin de Rodrigue, une petite île tropicale située dans voyagerons dans le monde du récif corallien. Nous suivrons l'immense chaîne de vie, des rayons scintillants du soleil jusqu'au plus grand prédateur des récifs. Nous voyagerons de la haute mer aux plages de l'île au travers d'un riche lagon de corail. Et nous étudierons aussi le lien forgé depuis des générations entre le récif corallien et les habitants des îles. Voyageant en groupe important sur le récif, ils peuvent terrasser les demoiselles simplement par leur grand nombre. Les demoiselles peuvent vaillamment protéger leur territoire. Néanmoins, en l'espace de quelques secondes, un jardin bien protégé peut être ravagé. Dans cette agitation de la vie sur le récif, certaines créatures ont développé de puissants moyens de défense. Le poisson-pierre a un puissant venin sur les épines de ses nageoires et se déplace sur le récif sans se tracasser. Dans une autre partie du récif, cette grande raie pastenague se repose tranquillement sous le corail en surplomb. La moitié de sa queue se compose d'un aiguillon pouvant infliger une blessure grave à n'importe quel attaquant. Le récif corallien est un merveilleux monde complexe. D'innombrables formes de vie sont en interaction dans un équilibre délicat. En haut des récifs, les vagues s'écrasent avec une puissance terrible. Tous les pêcheurs se réunissent pour une journée de travail. Thank you.
Avec des appâts obtenus de la côte, les pêcheurs utilisent les lignes pour pêcher toute une variété de poissons, comprenant la carangue, le cordonnier et la vielle. Les pieuvres détectent rapidement une nourriture facile. Un casier pour poissons représente un garde-manger vivant. À cet endroit, la surexploitation du lagon amène à capturer les plus petits êtres avant même d'avoir atteint la maturité. Ils ne reproduiront donc pas pour renouveler la population du récif. En les pêchant trop jeunes, les pêcheurs sont en train de détruire leur propre approvisionnement en nourriture et celui de leurs enfants et petits-enfants. Loin des plages farineuses et des luxueux complexes touristiques mauriciens, Rodrigue l'Africaine surprend ses visiteurs par l'âpre et authentique beauté de ses paysages. Un charme brut et parfois rude, un lieu où le temps semble s'être écoulé beaucoup moins vite qu'ailleurs, un lieu presque oublié des hommes. L'oubli, c'est d'ailleurs là le terme qui a longtemps le mieux convenu à cette île de 18 km de long pour 8 km de large. Un oubli originel qui a entièrement préservé l'identité rodriguaise, mais qui a en revanche plongé un peuple dans le désarroi et l'inquiétude. Sous l'Empire britannique, Rodrigue n'était que la dépendance d'une des nombreuses colonies de la couronne, avec tout ce que cela peut impliquer. Si les Mauriciens se sont vus attribuer le droit de vote en 1938, les Rodriguais, eux, n'y ont eu accès pour la première fois qu'en 1967. Quand Maurice brandit enfin son drapeau en 1968, l'île fut alors intégrée à la Nouvelle République, une intégration perçue par beaucoup comme le prolongement d'une certaine forme de colonisation. Parce qu'il faut bien reconnaître que ces deux territoires ne présentent ni le même visage, ni la même culture. Ici, la population tire majoritairement ses origines d'une ascendance mozambicaine ou malgache, quand à quelques 600 km à l'ouest, le type indien est le plus largement répandu. L'autonomie, demandée depuis 1977 par l'OPR, pourrait enfin permettre à ce peuple, si longtemps ignoré, de prouver qu'il peut être capable de trouver des solutions aux problèmes de cette préoccupante réalité. Et quand le Premier ministre, Sir Andrew Jugnot, annonce en septembre 2000 qu'il entend accorder une large autonomie à l'île, les perspectives d'une évolution possible se dessinent à nouveau. Nous travaillons avec beaucoup de soin pour que l'île Rodrigue gagne son autonomie maximale qu'il nous fait promettre à la population rodriguaise. Symbole fort de cette volonté affirmée, la venue en octobre 2001 du Premier ministre lui-même pour l'inauguration du Festival Créole. Un événement d'importance à Rodrigue, où les différentes délégations des Mascareignes et de l'archipel des Seychelles notamment, sont invitées à débattre de la créolité et de la pluralité de ses identités culturelles. Sir Andrew Jugnot avoue être un farouche défenseur de ce projet d'autonomie depuis quelques années déjà, et reconnaît n'avoir pu engager cette réforme institutionnelle plus tôt pour cause de changement de majorité au gouvernement. Mais cette alternative lui apparaît à présent plus que nécessaire pour enrayer la crise sociale sur une île où le budget a pour la première fois l'an dernier dépassé le milliard d'euros. Une île autrement, c'est bien le slogan qui convient à Rodrigue. Rodrigue la belle, la simple, l'authentique. Rodrigue et ses charmes, charmes tout d'abord de sa population. La physionomie de la population rodriguaise révèle un peu l'histoire de son peuplement. Rodrigue affiche en effet d'emblée ses racines africaines. Les visages évoquent les ancêtres déplacés contre leur gré au XIXe siècle, depuis le Mozambique et Madagascar. Cette population issue des esclaves malgaches ou africains sont aujourd'hui appelés les montagnards. Une part minoritaire de la population descend, elle, des anciens maîtres européens qu'on appelle les Rouges. Des surnoms différents, mais un peuple qui vit en totale et parfaite osmose. Contrairement à ce qui s'est passé à Maurice, le métissage s'est largement développé chez les Rodriguais. Un métissage qui a aujourd'hui donné naissance au groupe des Créoles, essentiellement concentré autour de la capitale Port-Mathurin. Quelques familles chinoises et indo-musulmanes se sont également installées pour fonder de petites entreprises commerciales.
On ne rencontre par contre que peu d'Indiens hindouistes, l'île Rodrigue n'ayant pas connu l'immigration liée à l'industrialisation cannière. L'île compte aujourd'hui environ 38 000 habitants. Tous se distinguent par leur spontanéité ainsi que leur sens de l'accueil et de l'hospitalité. Difficile en effet de ne pas se faire des amis à Rodrigue. Les Rodriguais sont en fait à l'image de leur style de vie, aimable et simple. La gentillesse de la population rodriguaise, hein, quand on marche à pied sur la route, on parle avec les gens, ça surprend toujours. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous inviter chez lui. Et, si vous voulez, c'est des choses qu'on trouve de moins en moins, ces choses-là, et on prend le temps de parler. Les îles de l'océan Indien se souviennent généralement de l'Afrique et de ses rythmes. La Réunion a son Maloya, Maurice son Sega, l'île Rodriguez a son Sega Tambour. Contrairement au Maloya ou au Sega, cette musique n'est pas liée à l'histoire de l'esclavage. Non, le Sega Tambour a avant tout une fonction sociale. Les À Rodrigue, pas d'usine ni de grosse société. Les principales activités économiques demeurent encore l'agriculture, l'élevage et la pêche. L'agriculture avec tout d'abord le miel de Rodrigue, mondialement réputé. L'agriculture ensuite avec la production de piment. Il y en a un qui s'appelle le piment cabri, très fort aussi. Et puis il y a piment, c'est vraiment une spécialité de l'île Rodrigue, quoi. Avec le développement du tourisme, les Rodriguais ont pris conscience de la valeur de l'artisanat. Ateliers d'ébénisterie et de vannerie se sont multipliés dans l'île. Ici, par exemple, on fabrique des paniers, mais également des chapeaux. Ici, on est plutôt spécialisé en vaquois. Mais on vend aussi des produits en aloès et vétiver. Mais pour nous, c'est plutôt le vaquois. Eh bien, on commence d'abord par couper le vaquois. Et puis, on le met sécher pendant quelques jours, maximum 3 jours. Et puis, on commence à faire les nattages, comme il dit. Au sud-est de Rodrigue, un complexe typique avec sa toiture de style créole et son jardin bio. Il propose à ses clients de découvrir l'île sous toutes ses facettes, au programme randonnée en VTT et initiation à la voile traditionnelle. Ils découvrent cette activité ici parce que c'est difficile de trouver encore la voile traditionnelle sous cet aspect, avec une voile presque en coton, avec des équipements assez rudimentaires comme utilisent les pêcheurs, mais c'est surtout pour répondre à une volonté de l'hôtel, du tourisme en général à Rodrigue, qui veut que faire vivre le visiteur à travers notre propre identité plutôt que l'emprunter aux autres. Donc au lieu de mettre par exemple du ski nautique dans le lagon, quelque chose qu'on trouve beaucoup ailleurs, mieux vaut proposer à une clientèle avertie quelque chose d'authentique qu'il trouvera qu'à Rodrigue. L'île qui attire chaque année par son calme et la beauté de ses paysages des milliers de touristes. Mais la Cendrillon des Mascareignes, comme on l'a régulier, 42 000 habitants ont été recensés dernièrement. À Rodrigue, pas d'usines ou de grandes industries. La population vit essentiellement de l'agriculture. Demain matin, c'est à l'île Rodrigue que nous partons.
partirons en avion, en bateau. Le voyage est beau. Que nous pêcherons uniquement du lagon. Et le matin quand nous nous lèverons, du jus de limon gaiement nous boirons. Ah Rodrigue, tu sais, la vie est si gaie, t'as pas à y penser pour m'accompagner. Dès ton arrivée, tu seras enchanté par cette île beauté qui t'éblouirait. Pas lieu t'inquiéter, si t'auras à marcher pour un petit trajet, c'est pour ta santé. Si t'es fatigué de t'être trop promené, sûrement ça te plairait de te faire masser. Pas fini, content, Rodrigue, petit pays.
comment un paradis, comme un jardin fleuri, côté du monde bien bien poli. Longtemps maziné, patate mayo, petit pémanzé, petit maille grillé dans le coin du pé, avec parfois dans place d'idée, nous type boire café grillé. Longtemps maziné, patate mayo, petit pémanzé, petit maille grillé dans le coin du pé, avec parfois dans place d'idée, nous type boire café grillé. Rodrigue, petit pays, petit temps qu'il isolé. Touriste qu'on l'y vénit, pas fini pourtant l'île. Rodrigue, petit pays, comment un paradis, comme un jardin fleuri, côté du monde bien bien poli. Poisson, la t'y manqué, la tête filée, tu fais été, tiens même t'y paie rassasié. Poisson rosé, pas t'y piasté, si t'en tiennant pour s'asirer. Poisson, manqué la tête milée, tu fais été, puis si y'a même petit paix rassasié, poisson rosé, pas petit piasté, si tantinant pour soisirer. Rodrigue, petit pays, si tant qu'il isolé, tu risques en l'ivini, pas fini en lit. Rodrigue, petit pays, comment un paradis, comme un ordre infini, côté du monde. Bien, bien poli. Côté du monde bien bien poli.
chanter. Quand tu arrives l'air pour fréquenter, pas que tu gagnes droit pour tous tes frais. Aster, moi, t'es privé, mopé, mazine, les temps passés, mopé, dia ou en vérité. Quand tu arrives l'air pour fréquenter, pas que tu gagnes droit pour tous tes frais. Rodrigue, petit pays, si tant qu'il est joli, tu risques en l'y venir, pas fini ton lit. Rodrigue, petit pays, comment un paradis, comme un